je parle ce matin, that I'm speaking this morning, de la loi de l'honneur. Or the law of honor. Seigneur, merci de me donner la concision. Thank you, Lord, to help us to be accurate. Romains 13, verset 7. Romans 13, verse 7. On peut le lire au compte de 3. 1, 2, let's read together. Et 3. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Regarde quelqu'un, dis-lui, look at somebody, il y a une personne à qui tu dois l'impôt. There's somebody to whom you own taxes. Il y en a une autre à qui tu dois le tribut. Somebody else to whom you own the customs. Il y en a une autre à qui tu dois la crainte. And another one to whom you owe fear. Et puis finalement, il y en a une autre à qui tu dois l'honneur. And finally, somebody else to whom you owe honor. Dites avec moi la loi de l'honneur. Say with me the law of honor. Restons ainsi. Let be seated. Rendre l'honneur est un ordre biblique. Giving an honor is a biblical order. C'est un ordre, c'est un ordre. It is a biblical order. La Bible dit qu'il faut rendre l'honneur à qui vous devez l'honneur. The Bible says you have to pay honor to whom you owe honor. L'honneur n'est pas dû à tout le monde. The honor is not given to everybody. Non. No. Cependant, certaines personnes, nevertheless, for some people, honorées méritent d'être honorées. Who are honored deserve to be honored. Si vous ne rendez pas l'honneur qui est dû, if you don't give the honor that is due, vous n'aurez jamais d'excellentes relations avec les personnes à qui vous devez l'honneur. You never have good relationship with the man to whom you due honor. Le problème au niveau de l'honneur, justement, c'est qu'il détermine la qualité de la relation. The problem of honor is that it determines the quality of a relationship. Et dans les Écritures, and in the scriptures, il y a plusieurs degrés. We have many degrees. Je voudrais m'appesantir sur, on va dire, cinq ce jour. I would like to lengthen on only five for today. Premièrement, first of all, 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verse 30. J'aimerais que tu lises cela. I'd like you to read it. En étant assis à haute voix. Read it loudly. 1, 2 et 3. C'est pourquoi voici ce que j'avais dit que l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchaient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu dit, God says, j'honorerai celui qui m'honore. I'll honor the one who honors me. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. But those who despise me will be despised. Dis avec moi, j'honorerai celui qui m'honore. Say, I will honor the one who honors me. Ça, c'est Dieu le Père qui parle. God is Father speaking. Et here. Ceux qui me méprisent seront méprisés. And those who despise me will be despised. Répète à nouveau, j'honorerai celui qui m'honore. I will honor the one who honors me. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. And those who despise me will be despised. De quoi s'agit-il dans ce texte? What is it about in this text? Dieu a maudit Élie le sacrificateur. God cursed Elijah the priest. Pour quelle raison? Why? Ses fils Ophni et Phinehas, his sons Ophni and Phinehas, étaient des sacrificateurs comme leur père, pasteur. Were priests like the father, a pastor. Et la Bible dit, and the Bible says, qu'il couchait avec les dames qui venaient faire des sacrifices au temple. That they have sex with the women coming for sacrifice in the temple. Et ils utilisaient les sacrifices du temple pour faire n'importe quoi. And they use the sacrifice to behave anyhow. Alors, leur père qui était consacré à Dieu l'a su. Then a father who was dedicated to Lord knew about it. Mais il n'a pas agi ou réagi vigoureusement
pour sanctifier le nom de l'Éternel parce que c'était ses enfants. But they didn't react to sanctify the name of the Lord because they were his children. Et le Seigneur a laissé passer un temps. And the Lord let a certain time. Après quoi il s'est levé. Afterward he rose. Et il a dit à Élie. And he said to Eli. D'où vient-il? How come que tu honores that you honor tes fils plus que moi? Your sons more than me. Attention. Be careful. Attention. Be careful. Ce Dieu que nous prions, the God that we pray, est un Dieu jaloux. Is a jealous God. Attention. Be careful. Ce Dieu que nous prions, the God that we pray, est un Dieu qui ne partage pas sa place. Is a God who never share his place. Attention. Be careful. Ce Dieu que nous servons, the God that we serve, est un Dieu qui exige. Is God who requires de ses enfants la première place. From his children the first position. Élie a fauté. Eli made a mistake. Parce qu'il n'a pas repris ses enfants correctement. Because he didn't rebuke his children. Alors Dieu l'a maudit d'une malédiction très dure. Then God cursed him severely. Parce qu'il lui a dit. Because he told him, tu ne peux pas honorer tes enfants au-dessus de moi. You cannot honor your children above me. Mets le doigt sur quelqu'un, dis-lui, tes point, enfants ne passent pas avant Dieu. Point your finger to somebody, tell them your children are not before God. Mets le doigt sur lui, dis-lui. Tell your neighbor. Ton époux et ton épouse ne passent pas avant Dieu. Your wife and your husband cannot come before God. Quand tu es converti. When you are converted. Ton frère et ta sœur ne passent pas avant Dieu. Your brother and sister cannot come before God. Je me souviens que mon père biologique, quand j'ai décidé d'accepter de servir Jésus, when I decided to accept Jesus, my biological a dit father non. Said no. Maman, elle est là. Mommy is here. Elle m'a dit non, je t'envoie en Angleterre. She told me no, I'm sending you to England. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? J'ai dit non. I said no. À mes parents. To my parents. Parce que j'estimais que Dieu était au-dessus d'eux. Because I considered that God was above them. Parce que j'ai dit non. And because I said no. Aujourd'hui, j'ai ce micro devant toi. Today I'm holding the mic in front of you. Et parce que j'ai dit non. And because I said no yesterday. Mon père s'est converti après. My father got converted later on. Ma mère est assise ici. My mother is here among us. Et ils m'ont dit, tu as eu raison. And they told me that you are right. De suivre Dieu. To follow God. Mon ami. My friend. Je ne sais pas comment te l'exprimer, mais je veux que tu dises à quelqu'un, on ne joue pas avec l'honneur de Dieu, on ne joue pas avec ça. Tell somebody, we don't joke with the honor due to God. Non, parle avec conviction, on ne joue pas avec l'honneur qui doit être rendu à Dieu. We don't play with the honor. On ne joue pas avec ça. We don't play with the honor due to God. Ta présence ici dimanche. Your presence here on Sunday. Et pendant les jours de culte, and during the services, est le signe que tu honores Dieu. Is a sign that you honor God. Bon, je vais corriger. Let me correct it. Ta présence à l'heure, your presence on time, est le signe, is a sign que tu honores, that you honor celui qui t'a donné un rendez-vous, the one who gave you an appointment. Donc touche ton voisin, dis-lui number one. Touch your tu neighbor, ne peux pas ne pas honorer Dieu. Ce serait dramatique. You cannot but honor God. Dieu le Père. God the Father. Deuxièmement. Secondly. Voyez comment il a maudit Élie. You see how he cursed Eli. Parce qu'il lui a pas rendu suffisamment les honneurs. Because he didn't give him enough honor. Dis amen. Amen. Matthieu. Matthew chapitre 10 verset 40. Matthew 10 chapter 40.
2, il est écrit, celui qui me reçoit, reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. De honorer Jésus. Second, honor Jesus. Le Fils de Dieu. The Son of God. Et cela donnera vie à votre relation avec Jésus. And it'll bring up life to your relationship with Jesus. Dites amen à cela. Comment est-ce qu'on honore Jésus? How do we honor Jesus? Petit 1. Small one. Vous savez, Jésus se soucie énormément de la manière dont nous le traitons. Jesus cares for how we deal with him. Il s'intéresse à cela. He cares for that. Et la Bible nous enseigne comment honorer Jésus. And the Bible teaches us how we honor Elle Jesus. Dit, si vous honorez, petit S, si vous honorez un homme envoyé par Jésus, vous honorez Jésus. If you honor somebody sent by Jesus, you honor Jesus. Si vous méprisez un homme envoyé par Jésus, vous méprisez Jésus qui l'a envoyé. If you despise the one who sent by Jesus, you also despise Jesus who sent him. Donc le premier signe, that's the first sign. Selon Matthieu 10:40, according to Matthew 10:40, et selon Luc 10:16, and according to Luke 10:16. Celui qui vous écoute m'écoute. The one who listens to you listens celui to me. Celui qui vous rejette me rejette. The one who rejects you also rejects me. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. The one who rejects me also rejects the one who sent me. Qu'est-ce que Jésus dit ici? What is Jesus saying here? Il dit, he says, que il est honoré lorsqu'on reçoit celui qui nous envoie. That he is honored when we honor the one who is sent. Deux. Second. Il est honoré. He is honored. Lorsque nous honorons également ceux qui portent son image, when you also honor the one who have his image, c'est-à-dire les chrétiens, that is to say Christians. Matthieu 25:40. Et le roi leur répondra. And the king, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, il y a des choses qu'on fait à ses frères, il y a des choses qu'on fait à ceux qui ont l'esprit de Jésus en eux. But I think we do to our brothers et quand on le leur fait, c'est à lui que cela a été fait. When we do it to them, it means that we have done it to him. Acte 9:3-5. Acte 9:3-5. Quand Dieu se révèle sur le chemin de Damas à Saul, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? When God revealed himself to Saul, dit, pourquoi me persécutes-tu? Jesus, why are you persecuting me? Mais en réalité, Saul ne savait pas qu'il persécutait Jésus, but actually, en persécutant les saints et les chrétiens. Saul didn't know that he was persecuting Jesus. Il ne savait pas, he didn't know, qu'il s'attaquait directement à Jésus, that he was fighting et qu'il déshonorait Jésus. And he was also dishonoring Jesus. Arrête d'écrire un instant, touche quelqu'un, dis-lui. Stop taking note and touch somebody, tell them. Jésus est invisible. Jesus is invisible. Mais il reste visible par son corps. But he remains visible through his body. Et son corps and his body représente ceux en qui il vit. Represent those in him he lives. Trois. Thirdly, honorer honor le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Hébreux 10:29. Hebrews 10:29. On peut le lire? Let's read it together. Trois. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Outragé l'Esprit de la grâce. To trespass. Dis avec moi, outragé l'Esprit de la grâce. Say with me, to trespass the Spirit of the grace. Le mot outragé, c'est aussi le mépris, c'est aussi déshonorer. Trespassing also to dishonor or to despise. Vous savez, la Bible dit que tout péché contre Dieu le Père ou Dieu le Fils pourrait être pardonné, mais le blasphème
contre le Saint-Esprit est impardonnable. The Bible says anything can be forgiven, but a blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven. Cela veut dire ne prends jamais une œuvre qui vient de Dieu pour l'attribuer au diable. Never take an action coming from God to give it to the devil. Ça, Dieu va te juger, il va te frapper mal. God will judge you and will strike you. Parce que personne n'a le droit de blasphémer contre le Saint-Esprit. Because no one has a right to put a blasphemy against the Holy Spirit. Souvent, quand Dieu utilise quelqu'un dans une dimension nouvelle ou dans une manière de faire différente de celle des autres, les religieux ont tendance à dire tout de suite que ça, ce n'est pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas cette manière de faire. When God uses somebody differently, those who don't know him don't understand, they are again because they say it's not a way of doing from God. Je me suis protégé dans la discipline en ce qui concerne l'œuvre des ministres de Dieu en disant parfois, écoute, si je ne connais pas, je demande au Saint-Esprit parce que la vérité se trouve en lui. Mais je ne me mets pas à suivre des mouvements, souvent de personnes égarées, qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit. My principle is that when I don't know, I ask up to the Holy Spirit, but not to have a blasphemy against the Holy Spirit. Quand je ne connais pas, je dis. When I don't know, I say. Tu es trop puissant pour te défendre toi-même. You're too powerful to defend yourself. Qui suis-je moi pour défendre Dieu? Who I am to defend God? Il y a des combats que je mène. There are some battles that I wage. Il y a des combats que je peux pas mener qui sont les combats de Dieu lui-même. There are some that I cannot which are the battle of God himself. Je dois faire la part des choses. I have to make a difference. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. We don't blaspheme against the Holy Spirit. C'est fatal. It is deadly. C'est fatal. It can kill. C'est fatal. It can kill. C'est fatal. It can kill. Je dis. I'm saying. C'est fatal. It can kill. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment blasphémer ou comment outrager, comment déshonorer le Saint-Esprit? How can we dishonor the Holy Spirit? C'est lorsqu'il te demande de faire une chose et que tu ne la fais pas. When he's asking you to do something and you don't do it. Tu le déshonores. You dishonor him. Vous savez pourquoi j'ai couru ici ce matin? Do you know why I ran here this morning? Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Do you know why I did it? Vous me voyez faire ça? Have you seen me doing this? J'étais assis. I was sitting there. J'ai entendu une voix audible. I heard a voice audibly qui m'a dit, that said to me, j'aime te voir courir devant ma face. I like to see you running in front of me. Alors je ne t'ai plus regardé. Then I did not look at you anymore. C'est toi qui me regardais, moi je te voyais pas. You were the one looking at me, but I did not see you. Moi je le regardais lui. I was looking at him. Peu importe ce qu'il te dit. No matter what he said. Ton image. Your image. Et ta réputation. And a reputation. Ne valent rien devant Dieu. Worth nothing in front of God. Ce qui est important, what is important de comprendre, to understand, ma fille, tu sais, on est dans un monde où des gens payent des gens. We are in a world where people pay other c'est people. C'est une science hein, la communication aujourd'hui. It is science in communication. Où des gens payent des gens pour que ils travaillent sur leur image. Where people are paid to work on the image. Ils travaillent sur leur notoriété. To work on the notoriety. Et ils veillent à ce que vraiment ils soient vus d'une certaine manière. And they take care they are seen in a certain way. Beaucoup de politiques font ça. Many politicians do it. Et de personnes à un certain niveau. And some people at some higher levels. Mais le problème c'est quoi? But what is the problem? C'est qu'ils veillent sur leur réputation. Is that they care for their reputation. Pour certains c'est maladif. For others it's like a disease. Ils veillent sur leur réputation. Ils sont trop intéressés. They are too involved in their reputation. À savoir ce que tout le monde pense d'eux. To know what other people think about them. Moi, je pense que cette attitude cache un complexe. I think that this attitude hides a complex. Mais je ne vais pas rentrer là. But I'm not going there. Je suis sur comment honorer le Saint-Esprit. I'm just talking about how to honor the Holy Spirit. Dieu. God.
ne s'intéresse pas à ta réputation. Is not interested in your reputation. C'est dur ça. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, when the Holy Spirit came over Jesus, dit, the Bible says, sa renommée, his name, se répandit, spread. Sarkozy fait une interview, l'ex-président français. The former French president had an interview. Et le journaliste lui demande, and the journalist asked him, si on vous demande, if we ask you, de dîner avec quelqu'un, to have a dinner with somebody, quelle est la personne que vous choisirez? Who are you going to choose? Il dit, j'aimerais bien dîner avec Jésus-Christ. He said, I would like really to have my dinner with Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il dit, imaginez ce personnage qui n'a vécu que 33 ans. He said, imagine that character who lived only 33 years. Qui a eu 3 ans et demi de ministère. Who had 3 years and a half of ministry. Mais dont l'impact mondial depuis les années, les temps zéro, court jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne d'autre n'est si célèbre que lui. J'aimerais bien dîner avec ce monsieur pour qu'il m'explique certaines choses. I would like really to have my dinner with him for him to explain me certain things. Et je crois qu'il était sincère. And I really believe that he was sincere. Alléluia. Amen. Jésus, Jesus, avec lui on ne parle pas de réputation. We don't talk about reputation with him. La réputation est d'essence humaine. Reputation is from a human character. Mais avec lui, il y a une influence qu'il est capable de mettre sur toi par son esprit. But, cette influence-là fait que tu obtiens ce qu'on appelle une renommée. But it can put such an influence on you that we can ça, call aucun it. Homme ne peut fabriquer ça. We can call it a renown. C'est Dieu qui donne cela. No one else can give et it. Moi, je veux te dire, yeah, le Saint-Esprit te donnera une renommée. The Holy Spirit will give you a renown. Donne-moi un bon amen si tu comprends ce que je dis. Amen. Je vais vous poser une question banale. I'm going to ask you a question. Qui parmi vous, who among you, ne me connaissant pas hier, not knowing me yesterday, ne me connaissant pas hier, not knowing me yesterday, m'a vu, saw me, apparaître en esprit, appearing in his spirit, dans l'un de ses rêves, in one of his dreams. Je veux savoir. I would like to know. Lève la main. Lift tu up your hand. Tu ne me connaissais pas. You didn't know me. Tu me connaissais pas. Lève la main, Madame Gou. Lève la main. Tu as vu ça? Ah, toi aussi. Madame Laté. You too. Vous voyez, non, regardez. Levez la main. Lift up your hands. Comment pouvez-vous expliquer, how can you account for, qu'on ne se connaît pas, that we don't know each other, et vous me voyez, and you see me, apparaître là, appearing. Qui fait cette œuvre? Who is responsible for that? Je vous pose une question. Qui fait cette œuvre? Who is responsible for that? C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Est-ce que ça dépend de moi? Does it depend on me? Est-ce que je peux le manipuler? Can I manipulate Est-ce him? Est-ce que je peux le tromper? Can I betray Est-ce him? Que je peux l'obliger? Can I oblige Est-ce him? Que je peux lui dire de le faire et lui il va m'écouter, moi qui suis sa création? Can I ask him and he will listen to me as his creation? On appelle ça la renommée. This is what we call a renown or a fame. Si tu veux acclamer, tu le fais bien. Give a clap offering if you're really willing. C'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit qui témoigne à notre esprit, n'est-ce pas? Qui est en lui, qui est avec lui et qui est-ce qu'il veut utiliser? The spirit testifies who is in him and who he wants to use. Ce n'est pas falsifiable. Did not be counterfeited. Parce que c'est divin. Because it's from divine nature. Donc, si Dieu t'a envoyé ici, if God has sent you here, auprès de l'homme qu'il utilise, by the side of the man he uses, assieds-toi bien, sit down very well, suis cet homme, follow that man, qui suit Jésus, who follows Jesus, et tu atteindras ta destinée, and you reach your destination. Fais bien ce que tu fais. Quatrième moment. Fourthly, ah, comment honorer le Saint-Esprit? Oui, je vous l'ai dit. Hein? How to honor the Holy Spirit? I said it. Maintenant, je vous donnerai un bon conseil. I'm going to give you a good piece of advice. N'attaquez jamais. Never attack.
Un oint de Dieu. An anointed man of God. Arrête d'écrire. Stop writing. Et dis-le à trois personnes autour de toi. Say it to three people around. Ne le fais jamais. And never do it. Écoutez-moi. Listen to me. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai deux autres points. I'm not giving the details. David a sept reprises, sept fois. Seven times. A eu l'opportunité de tuer Saül. Had the opportunity to kill Saul. Mais jamais. But never. Il ne s'est permis. He allowed himself. De toucher à loin de Dieu. To touch the anointed man of God. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'il ne voyait pas l'homme. Because he did not see the man himself. Il disait toujours à loin de Dieu. Ça veut dire qu'il voyait l'onction. He was seeing the anointing. Qui est la production du Saint-Esprit. That is the production of the Holy Spirit. Hein? Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, est très sensible. Is really sensitive. On blaspheme pas contre lui. We don't blaspheme against him. Si tu trouves un point, même si c'est sur des réseaux sociaux où des gens sont en train de dire des choses où tu ne connais pas le monsieur ou même tu connais le monsieur, faut pas mettre ta bouche, faut pas mettre tes écritures, faut pas répondre à quoi que ce soit. Là où il y a l'onction, il y a des lois que tu ne maîtrises pas qui peuvent te détruire. There are laws that you don't master that can destroy you. Il y a d'autres lois là-bas. There are other laws there. Dites amen à ça. Say amen. David a été oint par Saül. Was anointed by Saul. Pardon, par Samuel. By Samuel, sorry. Du vivant de Saül. When Saul was alive. Saül cherchait à le détruire. Saul was seeking to destroy him. Parce qu'il y avait un problème. Souvent, Dieu crée des conflits. Because there was a problem, God himself created conflicts. Il y a des conflits qui viennent pas du diable, qui viennent de Dieu lui-même. There are some conflicts created by God himself. C'est Samuel qui allait oint Saül. It is Samuel who anointed Saul. Mais attends que Saül meure pour aller oint un autre roi. But wait for Saul to die before anointing another king. Et du vivant de Saül. And when Saul was alive, Dieu l'envoie. C'est-à-dire Dieu crée un conflit. God created a conflict. Aller oint qui? Go and anoint David. Go and anoint David. À la différence que Saül est oint en cachette et David est oint au vu au su de tous. Only that Saul was anointed in a hidden place, but that David was anointed openly. Ça crée un problème. It bring about a problem. Et je vais te dire ça. Saul était oint. Was anointed. Roi d'Israël. King of Israel. Propriétaire du présent. Ownership of the present. Owner of the present. Dieu dit à Samuel. God said to Samuel, va oint quelqu'un d'autre. Go and anoint somebody else. Donne-lui mon esprit. Give him my spirit. Tu sais? You know. Quand il a oint David là. When he anointed David. David qui a été oint là. David was who was anointed. Il était là. He was there. Saül est assis sur son fauteuil. Saul was on his throne. Il gère le présent d'Israël. He was managing the present of Israel. C'est celui qui a été oint. But the one who was anointed. C'est celui qui devait gérer le futur d'Israël. He's the one who was supposed to manage the future of Israel. Dieu m'a dit. God told me. Que cette église. That this church. Va gérer. Will manage. Le futur de cette nation. The future of that nation. C'est pourquoi moi je suis en train de te dire. That's why I'm telling you. Que je vais te oindre parce que tu vas remplacer quelqu'un quelque part. Because you replace somebody. Tu vas prendre quelque chose que des gens ne veulent pas libérer entre tes mains, qui ne veulent pas déposer entre tes mains, parce que c'est la saison où le Saint-Esprit va parler en ta faveur. Donne-moi un amen majeur si tu comprends cette révélation. Amen. Samuel, when Samuel est allé, went David, anoint David, il n'a pas dit je suis venu pour oindre. He didn't say I'm here to anoint. Toute la ville demande.
The whole city was asking, quelle est la nouvelle qui te déplace, Samuel, prophète? What is the new moving you here? Il dit, je suis venu faire un sacrifice. He said, I'm here for a sacrifice. Il n'a pas dit, je suis venu oint. He didn't say, I'm here to anoint. Samuel a fait le sacrifice. Samuel made a sacrifice. Et puis ensuite, il est allé oint. And later on, he anointed. Là où on oint des rois. Where we anoint kings. Avant que l'huile coule sur ta tête. Before the oil flow over your head. Il doit avoir un sacrifice. There should be a sacrifice before. Claque des doigts, dit loi divine. Snap your finger and say divine law. Je peux continuer? Can I carry on? Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, a créé un conflit. Create a conflict. Tu sais pourquoi? Do you know why? Tu es tant persécuté. You are so persecuted. Pourquoi tes frères ne veulent même pas te voir au milieu d'eux dans cette commune? Why your brother don't want to see you in the midst of them? Pourquoi est-ce que les regards et les paroles, quand elles sont négatives, doivent aller dans ta direction? Why the negative word and eyes go into your direction? Pourquoi est-ce qu'après avoir reçu même l'huile royale, on te ramène nourrir les bœufs et les moutons en ayant assisté à ton intronisation? Why after receiving the royal oil you go back to feed the cattle after receiving your enthroning? Ce qui est en toi, it is because what is within you, est insupportable, cannot be bear, insupportable pour eux. What cannot be bear by them, c'est ce qu'ils voient en toi. It is what they see in you. Il y a des propriétaires du présent. There are owners of the present. Et il y a des propriétaires de l'avenir. And there are the owners of the future. Pour que celui qui doit être propriétaire de l'avenir le devienne, for the one who must be the owner of the future to be, il doit expérimenter au préalable, he need to experience first of all, le pouvoir, the power, que Dieu donne, that God gives, à l'oint, to the anointed man. Honorer le Saint-Esprit, honoring the Holy Spirit, t'interdit, forbids you, le blasphème, blasphemy, t'interdit, forbids you, de toucher à un oint, to touch an anointing man. Honorer le Saint-Esprit, honoring the Holy Spirit, te permet d'avoir une relation avec lui, allows you to have a relationship with him. Dieu aime tous les hommes. God loves everybody. Mais tous les hommes n'ont pas le même degré de proximité avec Dieu. But all men don't have the same level of closeness with God. N'ont pas le même degré de relation. They don't have the same degree of relationship with him. Et même s'il ne fait exception de personne, ils n'ont pas les mêmes privilèges. And even if it doesn't mind anybody, they don't have the same privilege. Faut que tu comprennes ça. You need to understand it. Quand tu développes une relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. When you have a relationship with God, the Father, the Holy Spirit. En fait, quand tu leur donnes l'honneur. When you give them honor. Eux, ils développent une relation avec toi. They develop a relationship with you. Quand tu les déshonores. When you dishonor them. La relation ne peut pas être au beau fixe. The relationship cannot be at the right at the right hand. Je vais être juste et droit dans mes bottes en te disant ceci. I like to be fair with myself to tell you this. Mets le doigt contre quelqu'un, dit de blasphémer contre le Saint-Esprit peut te fermer des portes. Tell somebody the blasphemy against the Holy Spirit can close some doors to you. Il faut que tu comprennes. You need to understand. Comment Dieu fonctionne. Le quatrième et dernier niveau, je ne vais pas aller au cinquième. We're going to the fourth level. Pour ne pas être beaucoup plus long que ça. Il faut donner de l'honneur à Dieu pour avoir une relation avec Dieu. You need to give honor to God for your relationship with him. Donnez-moi Hébreux 13, 17. Je vais m'arrêter là, sur ce point-là. Hébreux 13, 17.
On peut le lire. 1, 2 et 3. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. Qu'est-ce que Dieu dit ici? What is God saying here? Quatrième point, vous devez l'honneur à votre conducteur spirituel. You need to give honor to your spiritual leader. Votre conducteur spirituel, c'est votre berger. Your spiritual leader is your shepherd. C'est votre pasteur. He is your pastor. C'est votre père. He is your father. La Bible dit. The Bible says que ces hommes-là. That those men. Vous devez avoir pour eux de la déférence. You must have some deference to them. En bon français, ça veut dire quoi? Déférence. What does it mean in clear French, good French? Comment? Un profond respect. A deep respect. C'est ce qu'on appelle l'honneur. This is what we call honor. Et pourquoi est-ce que vous devez leur donner l'honneur? Why must you give them honor? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Because they take care of your souls. Vos vies. Your lives. Qu'ils n'ont pas créé. That they did not create. C'est Dieu qui a créé vos âmes. It is God who created your souls. Mais Dieu dit, il met un homme pour être le gardien de ta vie. But God said, he settles somebody to be the keeper of your life. C'est fort, hein? It's really strong. De sorte que, in a way that, celui qui est le gardien de ton âme doit rendre compte à Dieu qui a créé cette âme. That he must be accountable to God who created your soul. Mais la Bible dit à chaque fois qu'il va vers Dieu. The Bible says anytime he goes to God. Faut qu'il aille vers Dieu avec la joie dans son cœur quand il mentionne ton nom devant Dieu. He need to have joy in his heart when he mentions his name before God. S'il va devant Dieu et que dans son cœur il y a des gémissements, il n'est pas content. If he's not happy, there is a groaning or bitterness in his heart. La Bible dit cela ne te sera d'aucun avantage. Ça va être un problème pour toi devant Dieu. The Bible says it will not be an advantage, it will be a problem for you before God. L'honneur ouvre la porte de la relation. Honor opens the doors for relationship. C'est pourquoi Dieu qui détient l'or et l'argent dit, quand vous venez vers moi, honorez-moi. That's why God, c'est votre honneur, c'est l'honneur que vous me ramenez, que vous rapportez, qui me permet d'établir la relation avec vous. God said, the honor you give me allows me to establish a relationship with you. Une église formée et éduquée spirituellement. A trained and educated church spiritually. Ne peut pas donner l'honneur à tout le monde. Cannot give honor to everybody. Elle donne l'honneur à celui à qui est dû l'honneur. It gives honor to whom the honor is due. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes. You need to understand que tu peux être présent dans une église. That you can be present in a church. Et n'avoir aucune valeur devant Dieu. And I have no value before God. Ta valeur est liée. Your value is denied, is linked. À la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Is linked to the quality of the relationship you have with him. À l'honneur que tu lui donnes. To the honor that you give him. Il y a des gens qui peuvent t'appeler, même dans ton sommeil, tu vas te lever, tu vas courir pour aller. Quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, when he said to Jesus that Lazarus c'est le seul dans la Bible, he's the only one in the Bible, pour lequel lui s'est déplacé au cimetière, for whom Jesus went to the graveyard, pour aller l'enlever de la tombe. Pourquoi? To go and remove him from the grave. Why? La Bible dit qu'il était son ami. The Bible mentioned that he was pourquoi? His friend. Why? La Bible dit quand il allait à Bethany, c'était le nom de leur village. The Bible said when he was going to Bethany, it was the name Marie, of the village. Mary, Martha, et Lazare leur frère, and Lazarus the brother, cuisinaient, cooked. Ils mangeaient dans leur maison. He used to eat in the house. Ils dormaient dans leur maison. He slept in the house. Parfois, ils réglaient les problèmes de famille. Sometimes he settled family issues. Comment? How? Martha vient. Martha came. Maître.
Master, je suis dans la cuisine. I am in the kitchen. En train de préparer. Cooking. Regarde ma sœur Marie, elle est assise à tes pieds et elle ne fout rien. Mais dis-lui de venir dans la cuisine préparer avec my moi. Sister, ask her to get me in the vous kitchen. Vous êtes nombreux, vous devez manger. You are many and you have to eat. Jésus aussi, quand il arrive chez soi, il n'est jamais seul. Jesus is never alone. C'est pourquoi je n'ai jamais vu Jésus visiter la maison d'un pauvre dans la Bible, jamais. That's why I've never seen Jesus visit the house of the poor in the Bible, never. Relis ta Bible. Read the Bible again. Jamais. Never. Quand il rentre dans une maison, when he gets into a house, mais si toi seul tu dois nourrir, if you only you have to feed, 12 personnes derrière lui, 12 people plus lui-même, il va pas aller te créer des problèmes supplémentaires. Il faut que d'abord tu arrives à manger toi-même. First of all, you must be able to eat yourself. Ou bien, il n'est pas là pour te créer des problèmes, il est là pour créer des solutions. He's not here for problems, but for solutions. Alors Jésus dit, regarde, Marthe, Martha, toi aussi, tu sais, Marie là, elle a choisi la bonne part. She has chosen the good part. Elle est assise auprès de moi et qu'elle est en train d'écouter la parole. Mais c'est la bonne part qu'elle a choisie. She has chosen the good part. Va continuer ce que tu fais là, va préparer. Carry on cooking. Il réglait les problèmes de famille, de maison. He settled up family issues. Parce qu'il était membre de la famille. Because he was a member of the family. La relation a fait qu'il s'est déplacé jusqu'au cimetière. The relationship caused him to move till the graveyard. Qui est-ce que Jésus a ressuscité dans un cimetière? Who Jesus Christ resurrected in the graveyard? Qui est-ce qu'il est allé jusqu'au cimetière? C'est un seul homme. Pourquoi? He did it for only one. La relation, l'honneur que l'autre lui donnait. Because of the relationship and the honor. Je ne peux pas venir à l'église. I cannot come to church. J'écoute la parole. I listen to the word. Je m'en vais. And I go back. Je viens. I come again. Je m'en vais. I go back. Et puis exiger and I require de Dieu quelque chose de particulier. From God a particular thing. Mes regards à moi sont d'abord sur les gens qui travaillent dans la maison. My eyes are first pas of all sur on les those gens words, qui viennent. Not on those who et qui partent. Come and go. N'est-ce pas? Isn't it? Mes regards sont sur des gens qui honorent la parole de loin que je suis. My eyes, parce que loin ne peut pas dire on va en réunion et toi tu dis je ne vais pas. My eyes are on those who honor my words. On appelle ça impolitesse dans l'onction. This is called impoliteness in the anointing. Surtout quand ce n'est pas justifié. Above all, when c'est un déshonneur. When there is no justification, it is a dishonor. Pas d'une personne, d'une onction. Not of a man, but from an anointing. Dieu est dans les petites choses. God lies in little things. Dans lesquelles on lui donne l'honneur. In which we give him honor. C'est ce qui établit la relation. That is what establishes the relationship. Quand mon père spirituel m'appelle, je cours. When my spiritual father calls me, I run. Hey, Bishop, tu es où? Tu es à la maison? Bishop, where are you oui, at papa. Home? Ah oui, papa, ça tient bien. J'ai une semence. Je veux aller. Je te donne. Non, je suis là. Je vais passer à côté. Non. Tu peux passer à côté voir ton fils, mais pour la semence, ton fils se déplace pour aller te voir. For the seed that the son has to move to his father's. Donc, j'arrive. Then I'm coming. Ce sont de petites choses, mais c'est une éducation. They are little things, but they are education. C'est l'honneur. It is honor. Que ta proximité, may your closeness, avec l'onction, with the anointing, ne te leurre pas. Doesn't lure you. Que l'habitude, may the habits, ne devienne pas ton piège. Not become a trap for you. Lève-toi et va dire à quelqu'un. Stand up, go and say to somebody. Celui qui n'honore pas ne sera pas honoré. The one who doesn't honor will not be honored. Alléluia. Amen.
Qui m'a compris? Who understood my teaching? Ta bénédiction est liée à l'honneur que tu donnes. Your blessings are linked or connected to your honor. J'ai terminé ce culte. I'm through with this service.